Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la gigantesque palette Pumpkin Pie de ELF. Alors, cette fois-ci, on va faire un truc, les choses un petit peu différemment. C'est que, étant donné que j'ai acheté deux palettes comme ça, j'ai testé d'ailleurs sur mes yeux les deux palettes. Si vous voulez voir des eye swatch, je mettrai le lien en barre d'infos. Mais la chose différente qui va se passer, c'est que je fais 3 looks avec la Pumpkin Pie, 3 looks avec la Berry Bad, sauf que la Pumpkin Pie, ça se passe ici sur la chaîne. Et la Berry Bad, c'est des mini tutoriels sur IGTV ou Riette et Makeup sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à un de ces réseaux sociaux, je vous invite à le faire. Les informations sont dans la barre d'infos, ainsi que chaque look séparé. Donc ce que je mets sur chaque look, ça c'est le premier. Et je pense que j'ai tout dit. On trouve ELF sur le site de ELF. Mais si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, on trouve chez Walmart, on trouve chez Old Navy, on trouve chez Target. Et si vous êtes en Europe, il y a ELF en ligne sur la version Union Européenne. Je mettrai le lien des deux dans la barre d'infos pour chaque produit, histoire de vous faire rentrer dans le site. Parce que apparemment c'est très dur d'y arriver, je comprends pas comment ils font leur truc. Mais je vais mettre le lien qui correspond à cette palette directement sur Union Européenne. J'ai testé aussi ce produit que j'adore, et plein d'autres produits. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo mes favoris ELF dès que j'ai une pile de favoris, parce que je découvre en même temps que vous. Je ferai ça avec grand plaisir, parce que c'est une marque que j'apprécie de plus en plus, donc j'ai noté ici. C'est parti pour les 3 looks. À question, j'ai mis ça, j'ai mis le lip oil de Colourpop. Je me dis que ça peut être un bon compagnon pendant que je me maquille. Et peut-être un jour il va être terminé. Il va faire partie du Project Pan. Ok, j'ai l'impression que je suis bien, ça va? Tout le monde va bien. Allez, on y va, on attaque. J'ai quelques nouveaux produits à tenter. Alors, notamment, bien sûr, la petite palette d'eau Pumpkin. La Berry, ça va être sur Instagram ou Riette et Makeup, rejoignez-nous. Et j'ai un produit de ELF, un autre produit de ELF, un bronzer. J'ai un produit de Tower 28, le blush. Et ça c'est des produits que j'ai jamais essayé. Le Luxe Velvet de Colourpop dans la couleur Take a Bow. J'ai l'impression que je l'ai déjà mis, mais il était dans ma pile de j'ai jamais mis. Peut-être que je l'ai swatché, c'est ça qui s'est passé. Ok. Je sens que j'ai un bouton qui va apparaître à cette ici. Vous verrez l'évolution du bouton au cours de la semaine. Peut-être. Ok. Je commence avec la P. Louise. Est-ce que je suis pas un peu trop foncée? Je ne sais, je ne pense pas, mais écoute, c'est la surprise. Je vais commencer par un smokey eye. Ça fait toujours plaisir. C'est classique. C'est parti, surtout. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de nom sur les fards à paupières. Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Je vais commencer par celle-ci. Je ne vous mentirai pas. Hein. Après avoir filmé la vidéo, je suis allée sur le site de ELF. Je pense que j'en ai mis 2-3 en plus dans ma housse. Je vais vous éclaircir un peu. Alors que j'avais dit que... Non, j'ai pris celle que j'aimais, les autres. Je sais pas. J'étais tellement impressionnée par les Ice Watch que... Je sais pas. J'utilise pas tellement les quads à la base, hein, mais je sais pas, celui-là il a quelque chose de Tennessee. J'ai pas réussi à dormir cette nuit. Parce que j'ai fait une sieste hier. Le week-end je m'octroie une sieste au détriment de mon contenu. Parce que, ben écoutez, il faut se faire du bien des fois. Faut se gâter. Pour moi, les siestes c'est un hobby. Et ouais, du coup, j'ai fait une sieste hier, comme aujourd'hui, nous sommes lundi, donc hier, dimanche. Et mon problème, c'est que, en général, c'est Mathieu qui vient me réveiller, mais il est venu me réveiller et me suis rendormie. Je me suis réveillée, il était 17h.
En général, je fais une sieste de 2 heures. Mais je sais pas, ça m'a. J'ai pas. Il m'a laissé dormir. Qui est venu me réveiller? Mon chat, bien sûr. Normal, tout va bien. Je vais prendre un plus petit pinceau. Et la couleur mat la plus foncée, celle-ci. Bon, tout ça pour dire que c'est un petit peu foiré ma nuit de sommeil puisque on dort tôt puisqu'on se lève tôt, donc je suis complètement mélangée. Donc là, j'ai pas très bien dormi. J'ai dû dormir, j'en étais comme 1 h du matin. En plus de ça, mon chat aime beaucoup me piquer la plante des pieds quand elle veut de la place au bout du lit. Donc bah, elle s'est gâtée hein, aussi. Ça m'a réveillée en sursaut 2-3 fois. Après ça, elle a éternué dans la nuit. J'ai eu trop peur, je sais pas c'était quoi. J'ai sursauté comme jamais j'ai sursauté de ma vie. J'ai fini de regarder la petite série très cute qui s'appelle Get Even sur Netflix. Ça m'a fait penser un petit peu à. Genre, ils auraient voulu faire Pretty Little Liars et Elite. Et le club des babysitters dans le même dans la même série genre. Ça ressemblait à un truc comme ça. C'était mignon. C'était des petites. C'était une série de courts épisodes, ce qui me convient très bien. Je regarde surtout quand je me maquille, j'ai mon iPad ici. Et du coup, quand je fais mon teint et tout ça, ça me permet de déstresser. Sinon, j'ai l'impression que. Qu'il faut que je me dépêche, mais non, j'ai pas besoin de me dépêcher. Donc ça me permet un petit peu de relaxer. Donc étant donné que j'ai fini ça, j'ai commencé la saison 2 de Dead to Me. J'ai beaucoup aimé la saison 1, mais la saison 2 est beaucoup plus drôle, beaucoup plus Christina Applegate en fait. Donc j'apprécie. Moi tu l'aurais pas envie de regarder, donc je regarde toute seule. Je vais prendre la couleur la plus foncée, irisée, celle-là. Et je répète, hein, je ne mets pas d'eau dessus. C'est le pigment à l'état pur. Je retourne mon pinceau et je prends la couleur la plus claire. Le irisé le plus clair ici. En plus de ça, hier soir, j'ai eu une idée pour du contenu IGTV mode. Dans ma tête. Ça ressemblait à quelque chose. Dans la réalité, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il va falloir que j'essaye. Et quand ça arrive en plein milieu de la nuit, je sais pas si vous sûrement vous comprenez. Genre, il y a des trucs de boulot ou des passions ou des trucs que vous avez hâte de faire. Et ben, vous n'arrivez plus à dormir parce que vous pensez qu'à ça. Genre, comment je vais le faire? Nanana. Moi, c'était un petit peu nanana hier soir. Je remarque que quand on met les deux couleurs ensemble, elles se ressemblent un petit peu, elles fusionnent un peu. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Je trouve que c'est une palette cool si. Tu sais, pour les gens qui sont un petit peu intimidés par trop de couleurs dans une palette. Je sais pas si ma luminosité est trop intense du coup, parce que. Je vais essayer de baisser un petit peu. Oui, ça c'est plus. True to color. Je vais reprendre le noir. Enfin, le noir. Le brun foncé. Pas noir du tout. C'est un smoky délicat. J'ai rêvé aussi cette nuit, parce que j'ai le temps de rêver aussi, que Colourpop sortait des monos. Mais tu sais, des nouveaux monos, parce qu'ils en ont souvent sorti plusieurs. Mais là, le thème, j'imaginais les couleurs de la 35C de Morphe. C'est ça que j'avais en tête. Peut-être c'est un rêve prémonitoire, peut-être pas, on ne sait pas. Au moment où je vous parle, nous sommes le 10 août, c'est que on verra bien si un jour ça arrive. Nostradamus aura encore frappé. C'est très poudreux, hein. Je vous le rappelle que dans les swatchs j'en avais partout. Regardez ici. J'ai sorti un chat de Lime Crime. Je le mettrai au coin interne tout à l'heure pour que ça fasse un petit peu plus smoky. Je reviens, je vais faire mon teint. Donc du coup, je vais regarder la suite de Dead to Me. Attention. J'ai pas fini. D'habitude, je suis changée après mon petit lit, mais j'avais trop de trucs à essayer.
Dans ma muqueuse, j'ai mis un gel liner de Colourpop qui s'appelle Joyride, comme ceci. Et j'ai mis ça comme mascara. Ça va, ça fit avec, hein. Mais si j'avais voulu faire les choses bien, j'aurais mis le vrai qui va avec. Mais j'ai foiré. Donc c'est vraiment ça que j'ai mis. Bref, tout est dans la barre d'infos, look par look, si jamais ça vous intéresse. J'ai mis deux strass trouvés chez AliExpress, comme d'habitude. Et j'ai mis le lime crayon dans mon coin interne. Ça s'appelle comment? Dos. Ça. Ensuite, nous sommes rendus à l'étape du blush. Comme c'est un blush crème, j'ai pas mis mes poudres encore. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais prendre ce petit pinceau. Ça a l'air d'être une très belle couleur. Waouh! J'aime bien. Je sais pas ce que ça va donner poudré, parce que je dois poudrer un petit peu pour mettre mon bronzer, mais on va l'essayer ensemble. Hein. Ça donne de la vie, ça. Très cool, comment ça s'appelle? Magic Hour. Faut pas se fier à ça. Hein. C'est cette couleur-là. Rien à voir. Ensuite, je vais un petit peu estomper avec peut-être mon éponge. Et par la suite, poudrer mon visage. On voit encore le blush ou... Il est temps de tenter le bronzer. Mon teint est très cool. J'aime beaucoup ça. J'espère que ça ne va pas le rater. Donc c'est un bronzer de ELF qui s'appelle Constantly Bronzed. Ouais, j'adore cette couleur. J'aime beaucoup les bronzers orangés. Hein. Team Citrouille. Et nous allons take a bow. Permettez-moi d'aller me changer et m'accessoiriser. Je reviens. Attention. 1, 2, 3. Voilà. J'ai fait le tutoriel de comment je fais mes ondulations. Je sais pas s'il est déjà sur IGTV ou pas, mais je l'ai filmé. Comme ça, vous allez avoir toutes vos réponses. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est tout. C'est tout pour ce premier look. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas encore ce que je vais faire sur les prochains. J'aime vraiment ce que ça a donné. Je trouve que c'est vraiment super joli comme fard à paupières pour 3$. Franchement, la qualité est exceptionnelle. J'ai hâte de voir les 3 autres looks du coup. Et on y va. Allez, tu es parti. Good morning. Moi j'ai un problème à l'œil. Il pique aujourd'hui. Peut-être que ça va couler mon œil, je sais pas. Mais j'ai plein de nouveaux produits à essayer. Alors je voulais faire un eye look assez simple et complètement mat. En utilisant les deux mats de la petite palette. Je voulais faire un truc très foncé. Un petit peu à la... Vous savez, la fille de Melt Cosmetics a toujours des looks bien grungy. J'ai envie de faire ça. Et j'ai... Produit de Melt... Je vais mettre peut-être ça en muqueuse, je sais pas. Deux produits Kiko, un produit Morphe. Et c'est parti, on y va. Ok. Je vais commencer par les yeux, puis après ça, je reviendrai pour faire le teint avec vous. Mais on y va. Je mets les vieux pinceaux dans le bac à pinceaux sale. Et je prends donc la Plouise. J'ai rêvé qu'on faisait la bagatelle pendant qu'on faisait cuire un steak. C'est pas de l'érotisme ça, je sais pas ce qu'il y a. C'est mes plus gros fantasmes. Non mais comme j'ai pas de barbecue, je fais jamais de steak. Et j'aime pas les steaks à la poêle, je trouve que c'est pas bon. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous avez des recettes de steak bien réussies? Ce serait sympa si vous pouvez. Sinon on va s'acheter un petit grill bientôt je pense. Je pense que même je vais faire ça aujourd'hui peut-être. Ouais, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Et demain, je vais chez Bath & Body Works. Je suis en manque de savon et bientôt crème pour le corps. J'ai recommencé à me crémer le corps. Est-ce que j'ai un truc dans le nez? Je sais pas. J'ai recommencé à me crémer le corps. Vous savez,
Si vous êtes là depuis le début de l'année, peut-être que vous savez que c'était un de mes objectifs de l'année, de prendre soin du reste de mon corps aussi. Et du coup, je vais prendre la couleur la plus pâle. Et du coup, je voulais me crémer le corps. Mais je sais pas, je trouvais ça chiant. Je sais pas, j'ai... Puis en fait, je me suis rendu compte, c'est parce que mes crèmes pour le corps étaient pas genre les meilleures. C'était pas les crèmes que j'avais achetées. Jusqu'à maintenant, c'est des crèmes que j'avais reçues en PR. Et du coup, elles étaient comme... à propriété genre... tonifiante, machin. Mais tu sais, c'était pas des... c'était pas des crèmes gourmandes ou quoi. Alors du coup, j'ai retrouvé une vieille crème. Non, une crème que j'ai achetée il y avait très longtemps. Et que j'avais pas mis. Et c'est une crème de Bath & Body Works. Et elle sent genre... la piña colada, le rêve quoi. Et du coup je mets ça en ce moment et je me dis ah oui, ça change tout, ça change la donne. Quand t'as une crème que t'aimes bien, t'as envie de te crémer. Comme là par exemple, eh ben je sens bon. Je suis toute dans l'olfactivité en ce moment. L'olfactisme. Le truc du nez. Et j'ai regardé une vidéo de Makeup Just For Fun, que j'aime vraiment beaucoup, qui parlait de ses palettes ELF et elle disait qu'elle n'était même pas, qu'elle trouvait que la pigmentation était nulle, les mattes étaient pas top. Ben, je pense qu'on n'a pas eu les mêmes palettes. Après, bon, je sais pas si elle a testé sur ses yeux. J'ai vu qu'elle a testé sur ses bras, mais écoute. C'est la première fois que j'entendais du mal de ces palettes-là. Et ça, je les trouve très cool. Alors je sais pas à long terme à quel point je vais utiliser les quads, c'est toujours le même problème. Mais bon. Je les trouve très sympas ces palettes. Je vais prendre la couleur la plus foncée, donc le mat. Je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Quand on a des looks très simples, on peut mettre plein de trucs fun par-dessus. Genre des toppers, des strass, des liners, des... t'sais. Et j'aime bien m'amuser avec ce genre de choses. C'est agréable. Et en plus, le eye a été facile à faire. Deux temps, trois mouvements. Mademoiselle, au moment où je vous parle, j'ai vu hier que Colourpop allait sortir une nouvelle collection. Genre, demain. Nous sommes le 12. Ils vont sortir une nouvelle collection le 13, encore une fois. Et c'est en collaboration avec Candyland. Alors tout le monde me dit, mais c'est très enfantin, mais oui, c'est normal. C'est un jeu, c'est un board game, c'est un jeu de société pour enfants. Dont j'adore l'esthétique, c'est vraiment très bonbon, barba papa, machin. Donc, je trouvais ça cute. Alors tout n'est pas cute, hein. Je vous avouerai que si ça avait été une autre marque qui avait sorti ce truc, j'aurais pas acheté carrément. Même pour un look aussi simple, j'ai pas voulu faire mon teint avant parce que c'est toujours très poudreux. Hein. Pas que ça me dérange parce que je fais toujours mon teint après. Mais vous le voyez sur mon visage. Et voilà, je reviens. Je reviens pour finir le teint avec vous. Il est temps. J'ai fait la même chose en bas et en haut. J'ai mis un liner bleu magnifique. De LA Girl qui s'appelle Fresh, super pigmenté, j'adore. Donc j'ai fait mes sourcils. Dans le coin interne, j'ai mis un Jelly Match de Colourpop et Les Vilains Perfectly Wretched. C'est ça qui est mis ici. J'aurais pu ne rien mettre du tout, hein. J'aurais fait pareil. Et j'ai terminé mon mascara de Gucci, il est fini, c'est la dernière utilisation. Je vais prendre ce blush et cheek de Morphe avec un pinceau et essayer d'appliquer ceci. Tu sais pas à quel point ça va être pigmenté. C'est la surprise. Je vais mettre ici. Je commence doucement. J'aime bien la couleur. Là, ça... on va essayer de se calmer 2 minutes. C'est une espèce, je sais pas si vous allez voir, c'est une espèce de mousse
pas une crème. C'est de la mousse. Style... vous vous rappelez le Maybelline, le fond de teint Maybelline en mousse là? Ça ressemble à cette texture. En fait, je me dis que j'aurais pu finir de poudrer mon visage et mettre ça par-dessus, ça aurait rien changé. Ça aurait pas affecté l'application, je pense. Ça fait pas de patch ni rien du tout, c'est très cool. Ça s'applique très très bien. Ensuite, bah du coup, je vais poudrer. C'était le plan de départ. D'ailleurs, mon fond de teint, je vous ai pas dit, mais j'ai rajouté une petite goutte de lui. Et du coup, ça aide à la couvrance et ça le rend plus ma couleur. Parce que j'aime pas tout seul le fond de teint de Maybelline. J'ai failli faire tomber toute ma poudre. My God. Pourquoi mon montre est tournée? Beaucoup trop de questions ce matin. Ah, je sais pas comment j'ai dormi. Ça doit être cette histoire de steak. Je vais prendre le bronzer. Non, pas le bronzer. Le highlighter de Kiko. De l'été. Qui s'appelle Golden River. Il se présente comme suit. Ouh, nice. J'aime beaucoup. Hier, il faisait tellement chaud que j'avais la ligne de mon sourcil était arrivée genre jusqu'ici. Je dis personne m'a rien dit. Après, je sais pas, au niveau de la texture, je pense que ça va un petit peu mettre l'emphase sur la texture de prime abord comme ça. Cool. Ensuite, je vais prendre le bronzer. J'ai pris celui-ci de Kiko encore, qui s'appelle Neutral Bronze, le 3. Et je vais prendre le même pinceau que j'ai pris pour la poudre. Je sais pas si c'est très pigmenté, du coup je vais peut-être d'abord mettre là. Oh, je l'aime ce bronzer, il est très beau. J'adore. J'adore le look au complet. C'est très limite garden party avec un peu de bleu. Et je vais mettre un rouge à lèvres et ensuite je vais me changer pour qu'on ait le look total. Rouge à lèvres de Melt Cosmetics. C'est là que ça va tout changer parce que ça va plus du tout être garden party là, j'ai l'impression, et ça va être garden party très loin. Ouh, j'adore cette couleur. C'est quoi, c'est ginger? C'est ginger. C'est une tête de ginger. Entre ginger ici et ginger ici. J'ai ginger et ici j'ai pumpkin. Permettez-moi d'aller me changer, de m'accessoiriser, je reviens, ok? Je reviens avec le total look. Attention. 1, 2, 3. Et voilà, j'ai mis mon haut à froufrou de Shein. Personne ne le voit pour le moment. Mais c'est pas grave, j'ai filmé une autre vidéo et on va pas se le cacher. En bas, je suis encore en pyjama. Écoute, je suis belle à partir de mon haut. Le reste, c'est entre moi et moi-même. Ok. Passons au dernier look. Vous êtes prêts? Hey, je dois vous dire que les fards ELF des deux looks que j'ai fait, ils ont résisté à la canicule, aux yeux larmoyants, à la transpiration parce que j'avais chaud, tu sais, genre ça coule. La tenue est impeccable sur moi, je sais pas, d'avoir des petits secrets à l'intérieur. Le seul défaut, c'est qu'ils sont un petit peu poudreux et du coup ça creuse assez rapidement. Mais est-ce qu'on n'est pas satisfait quand on voit que ça creuse comme ça? Moi, oui, ça me dérange absolument pas. Même chose avec la Berry Bat que j'ai déjà essayé entre temps et que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc. Juste vous dire ça, vous tenir un petit peu au courant. Je vais réappliquer de la Pelouise et j'ai mal aux yeux aujourd'hui. J'ai mal aux yeux, j'ai mal au dos, j'ai eu des crampes toute la nuit. J'ai une crampe une fois, on va se calmer, oui, mais entre genre la circulation plus l'humidité,
plus rester assis sur... Là où je travaille, la chaise est vraiment... C'est comme une chaise en bois. Un petit tabouret. Et je suis genre comme ça toute la journée. Fait que je suis mal. On est en train de prendre les mesures nécessaires, vous inquiétez pas, mais c'est juste. Je pourrais pas travailler comme ça, genre. Plus que 2 jours/semaine. C'est. Pas pour moi. Mon dos est fragile. Je vais prendre. C'est quelle couleur? J'ai pas essayé encore sur mes paupières. Je pense que c'est elle. Bah, si, je les ai toutes essayées, mais il y en avait une en particulier que je voulais faire un cut crease avec. Oui. Je vais prendre cette couleur-là et l'appliquer sur le cuisse un peu plus haut et plus affinité. J'ai fait un merveilleux rêve cette nuit. J'ai rêvé que je partais, j'étais partie en vacances avec mes meilleures amies à Santorini. Voilà. C'était vraiment cool. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on va voyager de si tôt, donc. En tout cas, pas pour le Canada, en tout cas, c'est. Genre, tu peux partir, mais t'es pas sûr de pouvoir revenir, genre. Donc, écoutez, nous sommes tous en stand-by. Hein. De par mes hauls, vous avez vu que mon budget voyage, où est-ce qu'il s'en va? Aussi, je devais faire mon sport ce matin et finalement, j'ai dormi un petit peu plus tard que d'habitude. Et je me suis réveillée à 7 heures. Au lieu de 4h30. Et c'est un petit peu contrebalancé débalancé mon programme de la journée. C'est-à-dire que là, il est 8h40 et je commence à filmer. En général, je commence à filmer à 7h. Ce qui ne me dérangerait pas s'il faisait pas très beau dehors, genre quand il fait gris, mais là, à l'extérieur, le soleil, ça affecte l'éclairage. De malgré les lumières, ça affecte l'éclairage de la vidéo. Du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais filmer et après avoir filmé, je ferai mon sport. Je prendrai ma douche, comme ça, je vais me démaquiller en même temps. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que la motivation sera là? Demandez-le-moi dans les commentaires. Je sens que maintenant que je l'ai dit, il faut pas que je l'édite, premièrement. Ça me force à le faire quand même. D'autant plus que pour demain, je me suis gardé une vidéo de Yoga with Adrienne de 45 minutes de stretch intense. Je pense que ça va me faire bien du bien, ça. Je vais prendre cette couleur-là et estomper le coin externe. L'évolution du bouton, Pokémon évolution 3. Même si je mets l'espèce de petit liquide qui assèche les boutons, mais il est tellement jeune que il veut se montrer comme ça. Je vais couper mon cuisse, je reviens dans un tout petit instant. Voilà, je vais prendre la couleur qui m'intéresse. C'est-à-dire celle-ci, et je vais la mettre par-dessus le concealer. J'ai commencé à lire un livre qui fait peur, et du coup, je peux pas le lire avant de dormir. Ça me fait vraiment peur, genre des trucs de fantômes et tout. C'est des fantômes d'enfants, adolescents. Des portes qui claquent. Une vieille histoire. Oh non, ça fait trop trop flipper. J'arrive pas à lire avant de dormir. Ok, je reviens dans un petit instant. On a de nouveaux produits à essayer. Ce blush, ce highlighter, ce rouge à lèvres. Est-ce que je l'ai montré ou j'ai juste mis comme ça? Ce highlighter. Double highlighter. Ok, je reviens à un tout petit instant, attention! Voilà, j'ai fini mes yeux. La seule couleur que j'ai ajoutée, c'est le Super Shock Shadow de ma rotation.
ici dans mon ras de cils. Sinon j'ai mis du eyeliner, je pense qu'il est terminé lui, un highlighter de Annabelle, un copper comme ça, et ici la ligne de paillettes, c'est un Olika Olika. Ça me saoule que le truc il soit comme, je sais pas si vous allez voir ici peut-être, le poil il commence à se partir en live. Mais ça fait un super joli trait d'eyeliner. J'ai mis des fossiles, les mêmes que d'habitude, les chiffons de Kiss. Comme bronzer, j'ai mis celui de ma rotation, celui-ci. Et on va passer au highlighter. Highlightons avec ceci. Je ne me rappelle pas si lui était très foncé ou pas. Mais non. On va essayer le orangé. C'est celui qui m'intriguait le plus. C'est joli comme texture. Est-ce que c'est le meilleur highlighter du monde? Non, mais j'aime vraiment bien. C'est smooth. En quoi que oui, je l'aime bien en fait. J'aime bien ce petit orangé là. Du coup, je vais prendre la couleur la plus claire et la mettre dans mon coin interne. Étant donné que je ne l'ai pas acheté et que c'était un cadeau avec achat, j'avais aucun espoir pour ce truc. Je vais prendre le blush. C'est de la marque Odin's Eye. Et c'est le Fruit Blusher couleur Alva. Il se présente comme ça. Ça avait pas l'air... Je l'ai pris parce que je voulais tester un autre produit de la collection, mais... Je sais pas trop. Essayons. C'est très beau ça, très pigmenté. J'aime beaucoup. Il s'applique vraiment super bien. Mais attention, c'est pigmenté. La vie continue en mettre. Et le rouge à lèvres, c'est un Propa Beauty qui s'appelle Made It. Présente comme ceci. J'avais acheté la collection complète. J'ai un code promo avec eux. C'est affilié. Ça vous offre 15% avec le code Danisha. Pas obligé de l'utiliser, mais... C'est une marque indépendante et black owned. Cool quand même. Je vais me changer. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà. En gros, j'ai mis un t-shirt. J'ai enlevé mes notes. Et j'ai mis un serre-tête. Voilà. C'est la petite technique un petit peu lazy du jour. Mais qui marche, j'aime vraiment beaucoup ce serre-tête de Shein que vous allez voir bientôt dans un haul. Voilà, donc c'était ça, je vous recule et on va parler de cette palette. J'ai une petite nouvelle pour vous. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voulais vous garder la surprise. Quand j'ai fini mon ras de cils, je me suis rendu compte que j'ai hit pan après 3 utilisations. Je sais pas si vous allez voir ici. Il y a un petit trou. Donc juste pour vous dire que peut-être que c'est très poudreux et peut-être que ça coûte 3$, mais peut-être aussi que ça va pas faire énormément d'utilisation. Je sais pas le produit qui est à l'intérieur. De toute façon, je vous ai laissé les liens en barre d'infos si vous voulez aller investiguer. Moi, je suis pas très dans le grammage et tout ça, c'est pas trop mon truc, mais juste vous dire ça. Je sais pas si ça va faire pareil avec l'autre. Je vous le dirai incessamment sous peu. Quoi qu'il en soit, la qualité est vraiment très très bonne. 3$, c'est un très 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 bon price point. Et j'aime beaucoup cette Color Story là. Est-ce que je vais prendre d'autres palettes? Je dois vous dire que je ne suis pas une personne à quad. Et même si j'ai mis les autres palettes dans mon panier, je pense pas que je vais les valider. Il y en a de très jolies. Il y en a une verte, il y en a une bleue, il y a plein de Color Story super intéressantes. Je pense que ces palettes-là sont pour les personnes qui n'ont pas envie de se casser la tête à choisir des couleurs, qui trouvent qu'une palette c'est trop avec plein de couleurs c'est trop overwhelming et qui ne savent pas où jeter leur dévolu. Ça c'est parfait. Vous avez déjà tout qui a été choisi pour vous et pour le coup c'est vraiment pratique.
J'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser les quads. Je trouve que ça limite un petit peu ma créativité. Même si à la fin, j'ai quand même réussi à faire trois looks qui me plaisent vraiment beaucoup. Mais je pense pas que j'en rachèterai d'autres. J'ai aimé découvrir ça. Je trouve que la qualité est bonne. Mais juste pour mon utilisation personnelle, je voulais avoir un petit peu. Je voulais savoir ce que ça allait donner. J'ai mon avis et je recommande à ceux et celles qui préfèrent avoir une plus petite collection, quelque chose de plus concis. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez utilisé, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous songez à en mettre dans votre panier, oui ou non. Si vous voulez voir la Berry Bad en action, ça va être sur IGTV ou sur Riette et Makeup. Et comme ça, vous allez avoir trois autres idées, trois autres make-up complètement différents. Enfin, j'espère, je vais essayer. Plutôt différents. Et voir ça. Avoir un peu plus de choix, peut-être. Je sais pas, vous me direz. J'attends vos commentaires, quel look vous avez préféré. Et j'espère vous retrouver demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, oui.